Thank you, Jesus, for bless your name. Thank you for your great. Thank you for your grace, Father. Oh, voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour, chers amis, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Que sa grâce abondante soit sur vous. Un instant, s'il vous plaît, je reviens. Juste un instant. Encore. May the Lord bless you in Jesus' name. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce qui surpasse toutes choses vous soit abondamment donnée. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité et son amour. Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour la sécurité pendant le voyage, merci pour ton nom qui est une forte tour dans nos vies et merci pour la mission en Europe qui a été une bénédiction. Que Dieu soit loué, que ton trône soit loué. À toi la louange et la gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés, chers tout le monde. J'ai bouclé la mission européenne et je rends grâce à Dieu pour son amour. Le Seigneur permet aujourd'hui que je puisse m'adresser à vous à partir du Cameroun. Parce que ce vendredi 20 septembre, c'est la grande nuit des flammes ici à Yaoundé. Et j'ai hâte d'y être à la bière à partir de 21h. Nous sommes tous invités à ce grand événement où la main de Dieu sera puissante au milieu de son peuple. Donc à lui la gloire, à lui la louange, à lui la force, le pouvoir, le règne, le trône, la domination d'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Merci à la France, merci à tous mes bien-aimés qui ont pris la peine de se déplacer pour venir à ce grand programme. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Que sa grâce soit abondamment répandue dans vos vies, qu'il pourvoie à vos besoins et tout ce que nous avons fait, ne l'oubliez jamais. La Bible dit, n'oublie pas ce que je t'ai fait. N'oublie pas ce que je t'ai fait. Georges! Georges! N'oublie pas ce que je t'ai fait. Donc, n'oubliez pas tout ce que le Seigneur nous a fait. N'oubliez pas tout ce que le Seigneur nous a fait. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. La gouvernante, elle est où? Ah, elle est où? Je vais de l'eau, pardon. Donc, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur parce que personne n'est comme lui. Nous avons passé des moments extraordinaires en France. Les gens sont venus de partout, des États-Unis, du Canada, de l'Angleterre, de la Belgique, de l'Allemagne, de partout en Europe là-bas, jusqu'à la Bosnie-Herzégovine. C'est Bosnie-Herzégovine, je crois bien. Donc, les gens sont venus de partout là-bas pour assister à ce grand programme et Dieu... Quand je fais le direct, il faut passer de l'autre côté.
Mais vas-y, serre un peu de ce devant. Hein? Le Seigneur a manifesté sa gloire pendant ces jours-là et la grâce de Dieu était tellement forte avec des témoignages redoutables, mes amis, des témoignages puissantissimes. Tu as lavé les mains. Avec le savon, sans savon. Tu avais mis avec le savon, sans savon. Donc, bien aimé, la main de Dieu s'est manifestée avec puissance au milieu de nous. Elle était redoutable. Il me sert, il lave les mains sans savon. Ça va, je vais me servir, non, ça va, merci. Donc, là. Non, ça va, t'inquiète, c'est bon. La main de Dieu était puissante, mes amis. On a vu la fidélité du Seigneur Jésus se manifester. Personne n'est comme notre Dieu. Des témoignages tangibles, des déclarations prophétiques pures et redoutables au nom de Jésus. Je me souviens de ce frère qui est arrivé, ça faisait, je pense, 3 mois que sa femme lui avait promis que jamais plus il ne la toucherait, que rien ne se passerait plus entre les deux. Mais après avoir exposé le problème par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, je lui ai dit d'aller, que sa femme reviendrait demander pardon et que le problème serait résolu. La même nuit, il est parti. Lorsqu'il est arrivé, il a cru à la parole que l'homme de Dieu avait donnée de la part du Seigneur Jésus. Et cette nuit, il a pris le courage, il a mis sa main sur sa femme et il a été bien accueilli. Accueilli comme un fils du prophète Cane Ferdinand, accueilli comme quelqu'un qui comprend et qui met en pratique les enseignements que je donne. Voilà comment il a été réconcilié avec sa femme. Qu'est-ce qui s'était passé, mes amis? La gloire de Dieu s'était manifestée. La puissance de l'Éternel s'était manifestée avec beaucoup d'autres cas comme ceux-là. Des gens qui avaient des dettes énormissimes. Mais à la parole d'un prophète, par la grâce de Jésus-Christ, immédiatement les dettes annulées. La main de Dieu s'est manifestée puissamment en France. Dieu a agi avec autorité, mes amis. Et c'est cela que j'ai dit, que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Lorsqu'un homme de Dieu est appelé de Dieu, mandaté par Dieu, portant sur lui l'alliance de Dieu. Lorsqu'il parle, la chose arrive. Ça, c'est clair. On me bloque ça. C'est très sérieux, ça. La chose arrive. On a vu des mamans qui sont venues paralysées. Elles sont retournées étant complètement guéries, mes amis. Elles étaient guéries, restaurées complètement, jetant la béquille et donnant gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi, mes amis? À cause de la fidélité de Dieu. Vous savez, comme je dis, les hommes de Dieu, il ne faut jamais les comparer. C'est une erreur. On ne compare pas les hommes de Dieu. Chaque homme de Dieu est unique en son genre. Chaque homme de Dieu est unique. Chaque homme de Dieu a une marque spécifique et spéciale qui le distingue de ses frères. Hein? C'est ça la vérité. On ne compare pas les hommes de Dieu. On ne dit pas non, tel fait telle chose, tel fait mieux telle chose que tel, tel fait mieux. Non, chacun a une marque qui fait de lui l'homme qu'il est. Une marque spéciale, une marque d'exclusivité. C'est ça en fait qu'il faut que les gens comprennent. Et il faut savoir se connecter aux grâces que le Seigneur met à disposition de son peuple à travers ses serviteurs. J'ai ma grâce et je suis fier des dons de Dieu que je porte. Je bénis Dieu pour cela, mes amis. Je bénis Dieu pour cela. Et comme j'ai eu l'habitude de le dire, le Seigneur m'a accordé une facilité dans les langues bibliques. Une facilité extraordinaire. Sans avoir été dans une école, la facilité d'expliquer l'écriture dans le grec et dans l'hébreu.
Et ça, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas un don qui est répandu qu'on trouve à tout bout de champ. Non, mes amis, c'est un don spécial. C'est un don divin qui est unique. Il est unique, mes amis. Hein? Si vous regardez, je pense que je fais partie des rares hommes de Dieu qui prêchent en grec et en hébreu en citant des textes hébraïques ou bien grecs, comme si c'était, je ne sais pas quoi, les arachides qu'ils escortiquaient. Pourquoi? Parce que c'est un don de Dieu, en fait. Ce don n'est pas donné à tout le monde. Et chacun a des spécificités qui sont des cadeaux de Dieu pour son Église. C'est pour ça que, comme je disais, on ne compare pas les hommes de Dieu. Quand vous quittez une église pour aller dans une autre église, n'amenez pas l'esprit de votre ancienne église dans la nouvelle église. Non! N'allez pas dire non! En fait, dans mon ancienne église, on ne faisait pas ceci. On ne faisait pas. Pourquoi ici, on fait comme ça? Pourtant, dans mon ancienne église, on ne faisait pas telle chose. Parce qu'en fait, tu n'es plus dans ton ancienne église. Il faut bien qu'il y ait une différence. Chaque homme de Dieu est unique. Chaque homme de Dieu est unique. Et ce qui rend unique les hommes de Dieu, c'est quoi? C'est l'alliance qu'ils portent. Le genre d'alliance que tu portes te fait. C'est-à-dire que le genre d'alliance que tu portes fait le genre d'homme de Dieu que tu es. Il faut que les gens comprennent cela. Donc, il y a à qui Dieu a donné la grâce. On est arrivé en Europe. J'ai admiré et j'admire toujours la foi du peuple européen. Il faut avouer que l'organisation des campagnes en Europe, ça coûte énormissimement cher. Oui, c'est énorme. Mais le Seigneur nous fait grâce. Mais quand vous voyez le zèle des gens, vous voyez l'amour que les gens ont pour Christ, comment les gens peuvent payer les billets pour venir? Mes amis, il faut être reconnaissant envers Dieu pour le sacrifice de ces personnes. Ces moments que nous vivons, c'est des moments exceptionnels, des moments pour moi qui font partie des plus beaux moments de ma vie. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer tant qu'on n'a pas vécu cela. Il faut être présent pour le vivre. Il faut être présent pour le vivre. Des moments extraordinaires dans la présence de Dieu, dans sa gloire, dans cette fraternité, cette communion. Et vous sentez que c'est là que Dieu déverse la vie et la bénédiction en abondance, comme l'a dit le psalmiste. On a bénéficié de la vie en abondance et des diverses bénédictions de Jésus-Christ en France, mes amis. Que Dieu bénisse tous ceux qui se sont déplacés et soyez attentifs à tout ce qui va se passer. Quand vous allez rentrer chez vous, vous verrez ce que la puissance de Dieu fera. La main de Dieu sera forte. Tout ce qui a été déclaré s'accomplira dans votre vie. Oui, ça s'accomplira parce que notre Dieu est fidèle. Lorsqu'il dit une chose, il veille aussi. Oh, il y a les témoignages qui ont commencé. Et Panassour dit, mon fils a eu son travail juste le samedi matin. Gloire à Dieu, j'ai utilisé lui le faveur. Voilà, rendez-nous aussi votre témoignage s'il vous plaît. Attendez, j'enlève d'abord les grosses tenues. C'est extraordinaire, mes amis. Le Seigneur est puissant, il est bon, notre Dieu. On ne peut pas s'amuser avec lui. On ne peut même pas. Impossible. Donc, nous bénissons le nom du Seigneur pour sa fidélité. Voilà notre sœur qui a rendu témoignage. Son fils a eu le travail. Oh! Daddy, vous êtes une bénédiction pour bénédiction de Dieu pour nous. Amen. Ça, c'est Augustine qui dit cela. Amen. Merci. Vous aussi, vous êtes une bénédiction de Dieu pour moi. On a aussi qui a un témoignage ce matin. Donc, ça a été énorme. C'est une expérience unique en son genre. On a vu des malades être guéris, des paroles prophétiques. Et les témoignages que les gens ont rendus, mon Dieu. Des témoignages époustouflants. Des choses. La prière. C'est pour ça que j'ai dit toujours que lorsqu'on déclare, je ne peux pas déclarer une parole de Dieu dans ta vie et rien ne se passe. C'est pas possible, sauf si tu n'as pas la foi. C'est pas du tout possible, mes amis. Ce n'est même pas envisageable. Donc Dieu a manifesté sa gloire. Et c'est ça l'alliance que nous portons. Le Seigneur m'a dit en 2005, lorsqu'il m'appelait dans une vision, tu as remarqué que partout tu es passé parmi les jeunes gens de ton âge, tu as été distingué parce que j'ai mis un signe sur toi pour ces temps-ci. Car voici venu le temps de l'encre pleine.
Oh, le temps de l'encre plein. Pendant des années, j'ai essayé de comprendre l'explication de ce mot que Dieu m'a donné, cette phrase que le Seigneur m'avait donnée en 2000 en vision. Le temps de l'encre plein. J'ai demandé à beaucoup d'hommes de Dieu à l'époque, s'il vous plaît, voici ce que Dieu m'a dit en vision, car voici venu le temps de l'encre plein. Et tous m'ont donné des explications, mais qui étaient moins convaincantes les unes après les autres. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est des années après. C'est même après que j'ai commencé le ministère que le Seigneur m'expliquera que lorsqu'il me parlait du temps de l'encre plein, c'était l'encre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser l'encre si l'encrier n'est pas plein. Et dès que l'encrier se remplit, alors on peut commencer à écrire une histoire. Donc le Seigneur me disait que la saison pour moi d'écrire une histoire avec moi était venue. Il avait décidé d'écrire l'histoire avec moi. Et je vais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Et ça, je vous parle par l'esprit de mon Seigneur, connaissant les révélations que le Seigneur Jésus-Christ m'a données. Vous connaissez un peu par quoi je suis passé depuis 2021, ces moments compliqués et tout cela. Donc, en réalité, je suis un handicapé. C'est ça la vérité. Je suis un handicapé. Ça veut dire que le prophète Ferdinand Ekane est un handicapé. Voilà. Donc, vous comprenez, je suis un handicapé. Le Seigneur m'a blessé. Mais le Dieu qui m'a blessé est le Dieu qui me guérira. C'est mon Dieu. Je reste à ses pieds. Je ne bouge pas. Je ne le juge pas. Je ne le condamne pas. Je sais que dans sa parole, la Bible dit que celui qui a blessé est le même qui va guérir. Donc, je reste sur place et il va guérir. Et un jour, je me relèverai. Et quand je me relèverai, la terre sera petite pour me supporter. Parce que je sais que ce sera de nouveaux flots de grâce, une nouvelle dispensation d'alliance, une nouvelle dispensation d'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qui est la vérité. Dieu aidera, le Seigneur bénira, il restaurera, il relèvera. Nous ne pouvons pas l'abandonner parce que nous traversons des épreuves qu'on n'aurait pas attendues, non. Dieu est sage, mes amis. Il connaît ce que je ne connais pas, je lui fais confiance, c'est tout. Dieu connaît ce que je ne connais pas. Il voit ce que je ne vois pas. Il comprend ce que je ne comprends pas. Donc, je lui fais confiance. D'ailleurs, si je puis faire confiance à mon pilote d'avion, qui d'un moment à l'autre peut nous amener en brousse, mais je lui fais confiance, je dors dans l'avion parce que je sais qu'il sait ce qu'il fait. À combien d'autres raisons ne ferais-je point confiance à celui qui est omniscient, à celui qui est omnipotent et omniprésent en même temps? Non, mes amis, je lui fais confiance. Je crois en Jésus-Christ. Je crois en sa faveur. Je crois en son don. Et je sais qu'il est un Dieu fidèle et il sait où il me conduit. Mais je dis encore, mon temps n'est pas encore arrivé. Tout ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est les premiers balbutiements du don de Dieu que je porte. Paul a dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance, cette grande puissance, ne soit pas attribuée à nous, mais à Dieu. Donc je sais que demain, Dieu me... C'est-à-dire, il m'utilisera puissamment pour sa gloire. Je sais que ce que je fais aujourd'hui, je le fais comme un manchot, je le fais comme un borgne, je le fais comme un handicapé, je le fais comme un estropié, mais le Seigneur bénira, le Seigneur guérira, le Seigneur restaurera, le Seigneur relèvera et le Seigneur remettra sur les rails. Il manifestera sa gloire. Ah oui, mais en cette saison, les choses qui se passeront, les gens ne comprendront pas. Je vous dis, c'est que les gens sont en train de dire aujourd'hui que non, c'est un sorcier, non, il a trempé. Bon, le temps là, vous ne direz plus que j'ai trempé. C'est que on va dire, j'ai plongé, ça sera trempé. Là, je vais faire le plongeon. Les gens diront, il a plongé. Et ça sera une immersion en profondeur des secrets de Dieu, en profondeur des révélations de Dieu pour ramener en surface les choses que les yeux n'ont pas encore vues, les choses qui ne sont, que les oreilles n'ont pas encore entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur des hommes. Oui, cette saison est en train de venir et je crois en Jésus-Christ.
qui a dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, apprenons à faire confiance à Christ, mes amis. Il faut faire confiance à Jésus. Il sait où il nous amène. Et voilà, il faut lui faire confiance tout simplement. Donc, bien aimé, la nuit des flammes, c'est ce vendredi 20 septembre, à partir de 20h, du côté de la Bille. Et je viendrai, heureux ceux qui vont être là cette nuit de prière. Heureux ceux que je vais toucher en premier. Heureux ceux que ma bouche va bénir en premier, revenant des batailles de l'Éternel avec de grandes provisions spirituelles pour la bénédiction du peuple camerounais. Donc, bien aimés, soyons très, très nombreux. Soyons nombreux à la nuit des flammes. Ce vendredi 20 septembre, je suis de retour. Je suis à la maison déjà et je bénis le nom du Seigneur pour sa fidélité. Donc, bien aimés, Dieu est un grand Dieu. J'ai combattu ces guerres en Europe et j'ai vaincu en son nom, pour son nom, par son nom et pour sa gloire. Là, je suis revenu et je continue les guerres de l'Éternel afin que, en ce jour, le Seigneur puisse me dire bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton. Mais sinon, pourquoi est-ce que je sers Christ? À cause de la récompense de la vie éternelle, mes amis. Pour qu'un jour, Dieu puisse me dire, ok, entre dans le repos de ton maître. Tu as travaillé sur la terre, maintenant il est temps pour toi de te reposer. Et alors je me reposerai de mes œuvres dans les demeures éternelles auprès de mon Jésus. Et je l'adorerai, je le louerai là-bas et je célébrerai son nom. Donc, béni soit toute âme qui aime et sert le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit tout homme, toute âme d'homme, toute âme de femme qui croit en Jésus-Christ et qui le sert sincèrement. Oui, qu'il soit béni des bénédictions de Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'il ait secours au jour de leur détresse, qu'il les délivre, qu'il entende leur prière et qu'il les secoue parce qu'il est fidèle. Donc, bien aimé, merci pour l'accueil en France. Merci pour tous ceux qui m'ont offert des cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tous les partenaires de France et d'Europe. Que Dieu vous bénisse. On n'a pas reçu tout le monde. Ceux qui n'ont pas été reçus, soyez en alerte par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous appellerons. Je vous appellerai en direct. On aura notre entrevue téléphonique. Voilà. Donc, je vais vous joindre par téléphone, par appel vidéo. Et nous allons ensemble parler. Et il y aura cette consultation, cette causerie prophétique, mais en ligne. Le Seigneur est bon, mes amis. Le numéro pour tous ceux qui se sentent membres de notre communauté à l'étranger, peu importe leur pays, et qui disent « Non, ici, je suis membre, je suis fidèle de cette assemblée, alors c'est ici que je vais payer mes offrandes, mes dîmes, comme un fidèle sur place à Réma, dans nos églises corporelles. » Alors, le numéro a été donné à Paris. Prenez ce numéro, inscrivez-vous tout simplement et laissez le Seigneur vous bénir. Alors, une fois par mois, par semaine, je verrai, nous aurons des cultes, j'aurai des cultes virtuels avec tous mes frères, toutes mes sœurs du monde entier. Dieu se glorifiera. Donc, nous sommes en train de travailler puissamment là-dessus pour avoir des cultes en direct. Avec tout cela, on va leur envoyer le lien, etc. Et Dieu manifestera sa gloire dans la vie de chacun d'entre nous. Alors, bien-aimés, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je suis rentré, je suis au Cameroun, je bénis le Seigneur de retrouver la famille pour un peu de temps avant de continuer encore avec les guerres de l'Éternel pour dire un jour, comme les Hébreux le disent, « Naftulei Elohim Niftalti ». J'ai combattu les guerres d'Elohim. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous ce soir de vendredi 20 septembre à partir de 21h ici à la Bille pour une nuit exponentielle, une nuit extraordinaire dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Envoie des cœurs, partage la vidéo. Si vous n'êtes pas encore connecté, abonnez à ma page, abonnez-vous et que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi 21h, que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Au nom précieux souverain de Jésus, j'ai prié. Amen.